Dès le point du jour s'éveilla. Toute la maison était déjà levée, mais personne ne se trouvait auprès de lui. Il lui faudra donc s'habiller seul, qu'il le veuille ou non. N'attend une aide de quiconque, se lève et se chausse, va prendre ses armes posées là sur la table proche. Dès qu'il est prêt, il va de porte en porte qui était ouverte la veille. Mais c'est en vain. Porte fermée et bien fermée. Il appelle, il frappe très fort et encore plus. Mais personne ne lui répond. Il en est là, va à la porte de la salle. Elle est ouverte. Il en descend tous les degrés jusqu'en bas. Il trouve son cheval sellé, sa lance auprès de là et son écu contre le mur. Il monte. Et va partout cherchant, mais il ne rencontre personne, sergent, écuyer ni valet. Nul n'a donc voulu le retenir, quelle que soit l'heure, quand il voudrait quitter ce lieu. Mais il pense bien autrement. Ce sont les valets, se dit-il, qui sont partis sur le chemin de la forêt relever des pièges et des cordes. Va donc aller de ce côté pour en trouver quelqu'un, peut-être, qui dise où l'on porte ce Graal et pourquoi cette lance saigne. Passe le pont pensant ainsi, mais quand il est dessus la planche, il sent bien que les pattes de son cheval bondissent d'un coup. Par bonheur, elle saute à merveille, sinon cheval et cavalier auraient pu s'en tirer très mal. Il tourne la tête en arrière. Et voit qu'on a monté le pont sans que nul se soit montré. Il appelle, mais point de réponse. Il crie : Dis-moi, toi qui as levé le pont, réponds-moi ! Où te caches-tu ? Montre-toi, car j'ai quelque chose à te dire ! Vaine parole, nul ne lui répondra. Il s'en va donc par la forêt. Trouve dans un sentier des marques toutes neuves de chevaux passés par là. Et il s'écrie : Je vois qu'ils sont partis de ce côté, ce que je cherche. S'enfonce dans le bois, continuant de suivre les traces. Celle-ci le mène jusqu'à un chêne sous lequel il trouve une pucelle qui pleure et crie, se désolant. Hélas, que je suis malheureuse! Maudite l'heure de ma naissance et celle où je fus engendrée. Plût à Dieu que jamais n'aies-tu à tenir mon ami mort sur mes genoux. Pourquoi sa mort et non la mienne? Mort me frappe bien cruellement. Pourquoi a-t-elle pris son âme et non mon âme? Que me vaut de rester ici quand je te vois mort, ô toi que j'aimais le plus au monde? Sans lui, que valent ma vie, mon corps? Qu'elle parte donc aussi, mon âme, et qu'elle soit faite chambrière et compagne de son âme, si elle le veut. Ainsi la pucelle est-elle en grande douleur du chevalier qu'elle tient couché sur elle, tête tranchée. Le cavalier vient auprès d'elle, la saluant. Elle lui rend son salut, mais sans interrompre son deuil. « Demoiselle, qui a oxy le chevalier gisant sur vous ?»« Seigneur, un chevalier le tua, » dit la pucelle, « ce matin. »« Moi, je viens du plus beau logis où j'ai jamais été encore. »« Ah, Seigneur, vous avez donc couché dans le château du riche roi pêcheur ?»« Demoiselle, par le sauveur, ne sait s'il est roi ou pêcheur. » Mais il est très sage et courtois. Vous en dire plus, je ne sais, sinon que deux hommes trouvés hier soir, assis dans une barque qui naviguait très lentement. L'un des deux hommes ramait, tandis que l'autre homme pêchait à l'hameçon.
Celui-ci m'indiqua sa maison, et pour la nuit, il m'hébergea. Beau sire, il est roi, sachez-le. Mais en bataille fut blessé et méhaigné si tristement qu'il perdit l'usage des jambes. On dit que c'est un coup de javelot porté aux hanches qui lui a fait cette blessure. Et il n'a cessé d'en souffrir. Il souffre encore et ne peut monter à cheval. Alors, quand il veut se distraire, se fait porter en une barque. Et il se laisse aller sur l'eau, pêchant à l'hameçon, dont il est dit le roi pêcheur. Ne peut avoir d'autre exercice. Chasser aux champs ou sur les rives, il ne saurait, mais a toujours auprès de lui ses fauconniers et ses archers et ses veneurs qui tirent à l'arc en forêt. Se plaît bien dessus ces terres. Nul autre lieu ne s'y irait mieux. Aussi y a-t-il fait construire un château digne d'un puissant roi. Demoiselle, par ma foi, dites vrai. J'en ai eu hier soir grand merveille quand on me mena devant lui, quand il me dit de m'approcher et de m'asseoir auprès de lui, et me pria de ne voir signe d'orgueil pour le fait qu'il ne se levait pour me saluer, ne le pouvant. J'allais donc m'asseoir sur son lit, comme il voulait. Certes, un grand honneur il vous fit quand près de lui il vous assit. Or, dites-moi, avez-vous vu la lance dont la pointe saigne, n'ayant pourtant ni sang ni veine? Si je la vis? Oui, par ma foi. Et demandâtes-vous pourquoi elle saigne? Jamais n'en parler. Dieu m'aide. Mais sachez donc que vous avez bien mal agi. Et vite-vous le Graal? Je l'ai bien vu. Qui le tenait? Une pucelle. D'où venait-elle? D'une chambre. En une autre chambre, elle alla. Nul ne marchait devant le Graal? Si. Qui donc? Deux valets, sans plus. Et que tenaient-ils en leurs mains? Chandelier garni de chandelles. Et derrière le Graal, qui vint? Autre pucelle. Que tenait-elle? Un petit plat d'argent. Demandâtes-vous à ces gens vers quel lieu ils allaient ainsi? Nul mot ne sortit de ma bouche. Dieu m'aide, c'est pis encore! Comment avez-vous nom, ami? Et lui, qui son nom ne savait, soudain le connut et lui dit que c'est Perceval le Gallois. Mais ne sait s'il dit vrai ou non. Il dit vrai, pourtant ne savait. Quand la demoiselle l'entend, d'un coup se dresse devant lui en disant toute courroucée. Alors, votre nom est changé, ami. Comment? En Perceval le Chétif. Malheureux Perceval, tu as connu malaventure de n'avoir jamais demandé cela qui eût fait tant de bien à ce bon roi qui est blessé. Bien vite il aurait retrouvé usage des membres et sa terre. Si grand bien en fut advenu. Mais sache que malheur en viendra, à toi et à autrui pour ce péché, sache-le bien. Fut ainsi déjà pour ta mère, car elle est morte de douleur pour toi. Je te connais mieux que tu te connais, car toi, tu ne sais qui je suis. Pourtant, en la maison de ta mère, longtemps je fus élevé avec toi. Je suis ta cousine Germaine, et tu es mon cousin Germain. Mais il ne me pèse pas moins ce malheur qui t'est advenu de n'avoir pas du Graal su ce qu'on en fait à qui l'on ne porte, que d'avoir vu ta mère qui est morte, et mort aussi ce chevalier que j'aimais si vivement et qui m'aimait en me disant sa chère amie. Ah, cousine, si de ma mère m'avait dit vrai, comment le savez-vous? Comment non? Je l'ai vu mettre en terre. Que Dieu miséricordieux ait pitié de son âme. Vous m'avez conté la très douloureuse histoire. Mais cousine, puisqu'elle est morte, qu'irais-je quérir plus qu'avant? Je n'y allais que pour la voir. Je prendrai donc une autre route. Si avec moi vouliez venir, moi aussi je le voudrais bien. Jamais plus ne sera votre homme celui qui gît auprès de vous. Que les morts soient avec les morts, les vivants avec les vivants. Allons-nous-en, vous comme moi. Oui, ce serait folie, je crois, de veiller seul auprès du mort. Poursuivons celui qui l'a tué. Je vous le jure sur ma foi. Pourvu que je puisse l'atteindre,
ou je serai à sa merci, ou je lui ferai crier grâce. Beau doux ami, lui répond celle qui ne peut réfréner la douleur en son cœur, avec vous, je ne puis partir avant de l'avoir enterré. Suivez ce chemin empierré que vous voyez de ce lieu-ci. C'est par là que s'en est allé le cruel, félon chevalier qui m'a oxy, mon doux ami. Non pas que je veuille vous envoyer derrière lui, mais je lui souhaite autant de mal que s'il m'eût tué de sa main. Où cette épée fut-elle prise qui pend dessus votre flanc gauche, qui jamais ne prit nul sang d'homme, ne fut tirée pour nul besoin? Je sais bien où elle fut faite, et je sais bien qui la forgea. Mais gardez-vous de vous y fier, car elle vous volera en pièces. Belle cousine, une des nièces de mon hôte la lui envoya hier soir. Il me la donna. Je m'en croyais bien honoré, mais m'avait causé grand effroi s'il est vrai ce que m'avait dit. Dites-moi, s'il advenait qu'elle fût brisée, serait-elle jamais reforgée, le savez-vous? Oui, mais grande peine il y faudrait. Celui qui saurait le chemin du lac auprès de Cotovâtre pourrait la faire rabattre et retremper et réparer. Si l'aventure vous y mène, n'allez chez nul autre que chez Trébuchet, forgeron, car c'est celui-là qui l'a faite, et lui seul saura la refaire. Sinon, personne ne saura, quel que soit l'homme qui y travaille. Certes, dit Perceval, si elle se ronge, j'en serai bien fâché. Il quitte donc la demoiselle qui ne veut délaisser le corps de son ami, et là demeure seul, plongé dans son chagrin.